Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, épisode 6, The Devil Enemy. On va continuer l'épisode, voilà, ça va durer environ 30 minutes. Prenez vos pop-corns et vos meilleures boissons. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me ferait plaisir. On est proche des 300 abonnés. Sur ce, bonne vidéo. On respire un grand coup et on tâche de rester calme. Non, Charles, ça suffit. Cette histoire est bizarre depuis le début, mais là, ça devient flippant. Oh, détends-toi. Je suis sérieuse, je la sens vraiment pas, cette histoire. Ça me tue de l'admettre, mais Kate a raison. Quelqu'un a essayé d'agresser Erin. On sait pas ce qui s'est réellement passé. Je sais ce que j'ai eu. Dans le noir? Tu crois que j'invente des histoires? Tout le monde se calme, ok? Laissez-moi le temps de réfléchir. Eh ben, ça promet. Et c'est une sortie de scène pour notre patron au courage légendaire. C'était quoi? Mais ça va pas, monsieur? C'est Charlie. Réfléchis. On dirait plutôt qu'il pique une crise. Ça peut se comprendre. Si on boucle pas cet épisode, on est foutu. Non, mais t'es sérieux? Quoi? Tout ce que je dis... Ça fait des années que j'attends que tu prennes enfin une décision dans ta vie, wow. N'importe laquelle, et là... Ça, c'est ce moment que tu choisis pour t'affirmer? Pardon, je suis peut-être folle, mais si Erin dit que quelqu'un était là, je la crois. On est en danger. Ce n'était qu'un mannequin. Tu es en train de mentir? C'est ça que tu crois? T'as peut-être mal interprété ce que tu voyais dans moi. Non mais frère, c'est bon, on a tous je vu. Sais hein. Ce que j'ai vu. Ouais. Bon, voilà le plan. On a déjà un plan. On se tire d'ici. Non, écoute. Surtout pas de conclusion hâtive. Je vais trouver du maître et tirer cette histoire au clair. Tout va bien se passer, ok? Et on va les tourner, ces images. Mais il est parti. Il nous a posé un lapin. Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas le retrouver? Mon optimisme naturel. Et tu devrais prendre exemple. Bravo, Charles. Tes délires à la con nous ont encore bien foutus dans la merde. Du maître a filé. Je l'ai vu, tu te souviens? Il est peut-être rentré. Ou peut-être pas. Ça te tuerait de positiver juste un peu pour une fois? Quand on voit les idées qu'a Charlie d'habitude, celle-ci n'est pas la pire. Ce n'est pas la pire idée que j'ai eue ce soir. Y a vraiment pas de quoi être fier. Ton sens des priorités est merdique. Je laisse tomber. A plus. Je viens avec toi. Attends. Tu veux pas rester? On fait vite. Promis. Bouge pas, que je puisse te retrouver. Ok? Il peut raconter ce qu'il veut, c'est mort. Je ne continue pas comme ça. Kate. Je m'en vais, Marc. Tu me suis ou pas? Erin a vu quelqu'un. Ok, c'est vrai. Désolé, mais Charlie a dit... On risque notre peau. Ça me paraît plus grave que perdre un boulot. C'est vrai. Allez, Erin, tout va bien se passer. Bouge pas. Vous pouvez pas rester le temps que je remballe? Je veux pas perdre une minute. Je serai juste à côté. Dépêchons-nous. On revient tout de suite, c'est promis. Non, non! Désolé, je... Je flippe encore. Tu peux laisser ouvert pour m'entendre au cas où? Bien sûr. La pauvre. Ouais. Et là, ça se ferme. Il y a pas intérêt à ce que ça se ferme, hein. Ah, d'accord. C'est à ton tour. C'est juste une cinématique. Ok, bon, ben, à mon tour. Ok, Big Boss. On le cherche où, Dumet? Je cherche pas Dumet, mais des images valables. Si on tombe sur lui en chemin, parfait. Putain. Y'a rien ouais. D'autre qui t'intéresse, hein? Bien sûr que si. Dis ça à Kate. Tu le sais aussi bien que moi. Si on s'installe et que la caméra tourne, elle ira se planter devant. Connard. Voilà la qualité de l'image. Bah, du texte, je veux dire. Très pixelisé. Ouais. Ok, monsieur Holm, d'accord. Attends, du mai. Ok, bon. Ah, regarde. Ils ont gardé le secret. À mon avis, monsieur Dumais, il est pas si... Bah, au début... Innocent que ça. Hein. Au début, je le trouvais innocent.
Mais avec tout ce qui se passe, j'aurais dû vraiment m'en douter qu'il y avait un truc bizarre avec lui, hein. Bon, on va, attends, en vrai, je vais essayer de trouver. Pourquoi l'avant? C'est-à-dire que c'est à l'étage qu'il faut y aller? Okay. Et ouais, les mecs, ils courent, mais super lentement. Alors qu'avant, quand ils couraient dehors, bon, ils couraient assez rapidement. Ah, il y avait un examiné. Ah oui, tu l'avais déjà Non, examiné. on l'a déjà fait. T'as pas une... Tu peux mettre ton briquet là? Ah ouais, bonne idée. Ça, y'a rien. Ah, bah c'était bien là où tu devais aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. J'en sais rien. Yes. Bizarre. On a plein de meubles par terre, un bazar sans merci et une lettre encore. Je me demande si le gardien sait où est Ah là, passé. la qualité est plutôt bonne. Ah, mais c'est leur vidéo! Ah ouais, parce que là, dans le champ, il fait retentir. Au début, je pensais que c'était vraiment un truc en mode tout est programmé ce qui se passe là en fait. En mode Erin elle est coincée et tout, bref. Non mais en fait ça c'est juste leur script à eux là qu'ils ont fait. C'est ça, c'est ça. Ouais, ok, derrière. Ouais, bon c'est la suite. D'accord. C'est quoi ça? J'hallucine. Comment ça dit c'est quoi ça? Mais ça, on l'a déjà vu, ça, je crois. Ouais, on l'avait déjà vu. Ouais, attends, ouais, si je retourne en arrière. Enfin, je continue, je veux dire. Ouais, enfin, on l'a déjà vu. Allez. Va voir là. Ça, c'est fermé, ça. Ouais, ça aussi. En Ok. fait, c'est la salle où on était, donc enfin. Ah, ouvrir. Non, pas maintenant. Ah! On l'avait déjà vu ça, ou pas? Ah bon, peut-être. Non, jamais vu. Non. What? What? Ça, c'est. C'est de la côté droit. Ok, c'est côté droit, c'était lequel? C'était celui-là. Attends, mais on n'a pas débloqué beaucoup de prémonitions, c'est bizarre. Honnêtement, en vrai, pour être à ce niveau-là du jeu, en vrai, ça va. Je me rappelle avant on en a fait mais vraiment peu. Ah. On en a non, qu'est-ce que je dis? On en a trouvé vraiment peu. Hein? Pas de courant. Quoi? Ah ouais c'est vrai, ça c'est étonnant, y a pas de courant alors que tu vois On a fait tout la ça L pour tout là-bas. réactiver. Ouais, t'as vu la meuf là devant, je me rappelle plus son nom. Bon bah du coup je sais que j'ai deux morts possibles. Fermé. Bon bah y a qu'une porte à ouvrir. Hein. Ouais, bon ben la seule porte à ouvrir là-bas. C'était pas. Non, c'était pas celle qui menait au bar, non, ou je sais plus. Non, c'est une autre. Ah, oula! Jimmy, par ici. Il y a du sang. Ouais. Ok, ouais, je flippe carrément. C'est du sang, c'est tout. Du sang, c'est tout? Mais Il n'y a waouh, pas de il a conclusion hâtive. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a traîné quelque chose et que ça Non saignait. mais Et lui. ça t'inquiète pas plus que Mais ça? lui, D'accord. what? Il a un problème! Je dois dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est Que tout mort, ça c'est pas c'est sans doute possible! simplement du maître Ou ou d'un quelqu'un rien qui qui a saigne, mais porté à la préjudice aux morts ou limite, genre quelqu'un extérieurs. qui saigne, c'est-à-dire qu'il a eu Tout y est quelque faux. chose. Mais tu peux pas te dire qu'il y a rien. Genre, mec, c'est. Bah, en plus, regarde. Mais mec, non, tu peux pas dire que c'est juste du sang, mais c'est trop, tu peux pas dire que. Non, non, Il il abuse. abuse, il abuse de fou là. C'est de l'abus. Ah. Ah, regarde, il y a. Bienvenue à tous, au spectacle de ce soir. Oh, c'est quoi ce délire? Présenté par Grand Thème du Met. Du Met? Quoi? Il n'est pas parti. Tu peux pas me dire qu'il est toujours là? Y a rien. Bon, c'est vrai qu'il n'y a rien écrit.
Ah va, ok, ça va. Je disais que... On va où? On va par là. Là-bas, là? Ouais. Ça me rappelle là où il était là où il est passé Erin. Mais en fait je sais pas. Ah. Charmant. What? On peut pas ouvrir la porte. C'est vraiment vraiment très très bizarre cette ambiance. Ah, non, pas maintenant. On va faire demi-tour. On va fouiller de l'autre côté avant. On va fouiller là-bas. Cette direction là-bas, là. Attends, porte. Rien. Bon, bah, on n'a pas le choix. Ah, mais elle m'a pas suivi. Ouais, apparemment. Et là, tu vois, je reviens, elle est pas là. Elle a disparu, elle est gone. Ouais. Ah, bah voilà, t'es là, toi. Allez, toi, viens. On va ouvrir cette porte. Ah, tu entends? Putain. What? Donc, il est pas parti, en fait. Ah non, mais c'est pas lui. Vous êtes... Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que ça va? J'hallucine. Stop. Regarde. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est? Merde, c'est un piège. Ah mais Jimmy, c'est la prémonition. Ce gars va se retrouver transpercé par le truc. Enfin la prémonition. Et j'ai plutôt, j'ai l'impression qu'elle a, elle a un petit lien, non? Je sais pas. Non. T'as vu, ça ressemble à une forme de chaîne. Regarde là, la forme de chaîne là ici. Ouais. Ah ouais, ça c'est un fil, c'est pas une chaîne. Ok, ça va. Pourquoi il y a une musique en arrière-plan là? Tu l'entends toi aussi? Ouais. On est dans le menu pause. Parce que c'est une cinématique. Ouais, mais non, dans le menu pause il y a rien. Ça, la personne qui est là-bas, je suis sûr, c'est un animatronique. Y'a moyen. Jimmy? Ah. Faut faire vite, là. Reculer, non? Ouais, on connaît pas la personne. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on se tire d'ici, et vite. Charlie. Hein? On y va. Mais wesh, allez. Vraiment. Maintenant, là, il peut pas me dire qu'il y a un problème dans voilà, ici, là, dans l'hôtel. Tu l'as vu? Le masque. C'est quoi ce bordel? Oh. Voilà, bah. On est coincé. Qu'est-ce qu'on fait? On enfonce cette putain de porte. Mais ça sert à rien. Ça va être une galère. 2, 3. Elle est cutée là. Ah. Non mais. C'est impossible. T'as mal à la porte. Bah ouais, mec, c'est une porte de prison. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ok, continue. Mais la question que je me pose, c'est comment ils vont s'en sortir en fait? Je sais pas du tout. Bah, ils pourront pas sortir en fait, eux. Bah ouais. Merde. T'as ton cristal sacré? J'ai eu peur. Et te fous pas de moi. Désolé, je voudrais pas que tu te coupes. Ce caillou est coupant.
et super magique. C'est une pierre d'améthyste, ça. T'aide à te calmer en t'enveloppant d'une énergie protectrice. Je sais, je me souviens. Ben si tu sais, évite de dire des conneries. Peut-être que je trouve simplement que tu devrais assumer tes propres émotions au lieu de confier le travail à une pierre. Ouais, bon, je sais pas, j'ai envie de rien dire, moi. Ou docilité, soit docilité, soit rien dire. T'as peut-être raison. Allez, let's go. Ah merde. Mais t'as pas besoin de te payer ma tête. Ok, c'est peut-être nul de ma part de t'avoir. Ah, voilà, ça bon. Je suis désolé. Bon, ça va. Ouais, mais elle est plus en sécurité. Oula, ouais. En sécurité. Il faut que je t'avoue quelque chose. Ok. Allez, les révélations. Tout à l'heure, t'as parlé de ce job que j'ai laissé tomber. Je t'ai jamais dit la vérité. Hein? Comment ça? C'était pas un job, pas vraiment. Tu veux bien préciser? Tu sais, mon pote Murray, il voulait ouvrir un studio à Brooklyn, de photos. Et il cherchait un associé. C'est ton rêve? Ouais. Ça m'aurait pas rapporté une thune, alors j'ai cru que... Tu me dirais que c'était complètement débile. Et t'aurais raison. Après, tu t'es ravisé. Je sais pas, peut-être provocation. Faut un peu le bouger, je trouve. Quoi? Enfin, j'y ai réfléchi. J'avais l'intention de t'en parler. Quand c'est arrivé entre nous, c'était pas terrible. Ah, non, 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 non. Viens pas me dire que c'est de ma faute. Ça a été ton choix. Je sais. J'ai refusé parce que... It would have taken me away from you. Quoi? Oh, wesh. Ah, ok, j'ai compris. Attends, il a dit quoi? Ça m'aurait éloigné de toi. Mais, surprise. J'avoue que j'y avais pas pensé. Pour moi, ces deux-là, ces deux gars, je les ship, en fait. En fait... Les deux, voilà. Non. Que veux-tu que je te dise? Je m'accrochais en espérant que les choses changeraient. Au fond, j'ai encore de l'espoir. Je sais pas. Marc, ouais. Jamais je ne t'ai caché quelles étaient mes vraies priorités. D'accord, je comprends. Il y a une baisse, non? Ou ça augmente? Faut qu'on y aille. Ah, ok. Allons retrouver. Et ça baisse. Non, j'étais sûr. J'en étais sûr. Mais c'était quoi le bon choix? C'était l'autre. Mais l'autre, c'était pas. J'aimerais bien savoir quel est le cours de l'améthyste triple A sur le net. Ah, ok. Elle repose pour le reprendre. En vrai, je pense qu'elle peut s'en servir pour attaquer, hein, s'il y a des trucs bizarres. Ouais. Mais un slip, c'est écrit, c'est un moyen pour rester calme. Oui, bah bon, elle peut s'en servir pour une arme aussi. Ouais, aussi, quand même. C'est plus une idée pour une arme. C'est très coupant. En plus, c'est bien dur. Qui peut bien s'amuser à verrouiller ces portes? Du maître? Ou bien son arbin en ciré jaune. Non mais vraiment toutes les portes sont verrouillées quoi. C'est une blague. Ouais. Et là bizarrement il y a la lumière. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Attends. What? C'est quoi? Il y a vraiment un petit malin qui trouve ça drôle. Qu'est-ce que ça fout là? Oh c'est elle. Porter ça? Non. C'est elle? Oui. Shelby. Ongle a sorti. Oh non. On portait toujours le même vernis. C'est lui. Quoi? C'est lui. Au second plan. Tu le connais? Je le connaissais. C'était juste un des mecs qui traînait toujours dans le coin. On se croisait... Parfois en soirée, mais pas plus. C'est à cause de moi. Tu sais que c'est pas vrai. Le soir de sa mort, je devais la retrouver. On devait aller acheter à boire ensemble pour une soirée. J'ai dormi. On
nous disait bien au campus de surtout pas sortir seul. Shelby m'attendait, je suis pas venue et... C'est là qu'il l'a eu. Tout va bien. Putain, ça va pas bien. Rien ne va bien. Je vis avec ça tous les jours et là, il y a quelqu'un qui sait. Quelqu'un a voulu que je trouve ça. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai aucune idée. Ça ne me plaît pas du tout. C'est pas vrai. Par ici, vite. Charlie. You what? Vite. Il y aura sûrement un... Ah. Non, il y a pas en fait. Ah si. Je tiendrai pas. Écoutez, vous devez absolument trouver un moyen de sortir. Bah voilà, bah enfin je le dis. Vite. Oh. Wow. En plus, ils sont insonorisés, en plus, les murs. J'en sais rien, mais je crois que là, ça sent pas bon. T'es... Là, Erin... Erin, elle est toujours dans sa chambre. Ouais, c'est vrai, ça. Mince. Ça ne bouge pas. Et maintenant, on est foutu. Il doit y avoir un autre oui, passage. Vous êtes foutu. Ouais, les couloirs de maintenance. Vous êtes condamné à mourir. C'est obligé. What? La transition. Attends, il est E. Ah ouais, vraiment. C'est quoi ce cirque? Dumet, d'où il sort ce type? J'ai cru pendant 3 secondes que j'étais en première personne. Ouais, mec, on prend personne, ça fait trop peur. Entre un excentrique et un meurtrier, il y a un sacré fossé. Plutôt, vous êtes condamné à souffrir. Puis ensuite, que voilà. Il aurait découvert qu'il y avait un tueur ici et aurait décampé. Possible. Attends, trajectoire actualisée. Va dans collection. Il y a un nouveau truc là qui s'est affiché dans trajectoire. Ah. Jamie et Charlie ont compris que l'homme qu'ils ont rencontré n'était pas le vrai Dumet. C'est avec le masque. Ce mécanisme, ça demande une sacrée mise en place. C'était planifié depuis le début. C'était conçu. Oh, mais c'est enfin qu'il réfléchit là. Ce qui renforce l'idée que le type enfin. Du fruit n'était pas vraiment. Ah, ouais, mais mec, tu vois les murs comme ça? Oh non, je crois là, ça va se refermer. Sûr. Oh, tu penses? Bah, en fait, tu vois, attends, retourne derrière et regarde comment ils sont faits les murs. Regarde à gauche, juste à gauche, là. Tu vois là, les trucs en métal. Juste à gauche. Attends, bah vas-y, attends, je te montre. Ah, ça! Ouais, voilà, tu vois, on dirait c'est un truc qui coulisse. Genre, on dirait que tous les murs peuvent se fermer, s'ouvrir. Tout, sans exception, on dirait. Je vois ça. Ah, vraiment, donc ça veut dire à tout moment, tu peux te faire enfermer. Bah dis donc, pour un vieil hôtel, ils en avaient de... Ouais. Ah, ok. Bah, c'est pas un vieux hôtel. Ah. Sale foiré. Quoi? Mur de briques. Continue. Exactement. What? Comme Holmes. Non, je veux pas penser à ça. What? Mais t'as vu comment ça a été ouvert? Genre en mode... tout... T'avais un truc de suspense en mode. Ouais. Suspense. Waouh. Si il allait avoir un screamer qui allait. C'est tout cru. Pourquoi j'ai l'impression qu'on tourne en rond là? Ouais, c'est. Mais mec, c'est super bizarre. On dirait que tu tournes en rond mais t'es pas dans la même salle. Genre en mode, c'est pas un truc. Bon, j'ai pas envie d'employer des termes mathématiques mais. Pourquoi s'attaquer à elle? Bref, en gros, tu retournes sur un endroit mais qui ne veut pas être comme ça. Tu débarques ou quoi? Genre une géométrie non euclidienne. Bon bref, là on va éviter d'entrer dans les détails. C'est une gamine. Oh ouf. T'entends une voix de gamine aussi? J'ai bien cru que j'avais pété un plomb. D'où est-ce que ça vient? Il est où? Il est derrière? Ouais. Ok. Ouais. C'est-à-dire que là si tu y vas... Ouais, y'avait un truc par terre. Oh, qui clignotait. Y'a rien. Par terre. Genre, revire le sol. Tu
sais pas, ou peut-être c'est un truc qui brillait. Bah attends, sinon recule et essaie de voir de plus loin, parce que je sais pas, parce que là on voit... La caméra elle est un peu bizarre. Le FOV il est rempli. Ah! Si, voilà. Ça, voilà, regarde. Ah bah c'est une pièce. Okay. Je suis sûr qu'on en a raté plein de pièces. Ouais, à moyen. Ça nous fait combien? Pas mal. Allez. Voilà, je vais rapprocher mon micro. Bon bah let's go. C'est ce qu'il y a des trucs là-bas. Pas le choix. Ouais, non, je pense allez, pas. Ouais. Bon bah exact. Charlie, par ici. Essayons d'ouvrir. Yes. J'avais la musique de Stromae dans ma tête. Oh, oh non, je crois que c'est ici où il y a peut-être une prémonition. Ouais, il y a une prémonition ici. Ah, regardez. Attends, essaye de revenir dans les prémos. Enfin, il y a une prémonition ici, genre où un moment où Charlie rentre et c'est dans l'image. C'est à droite. Ouais. Non, c'est celle-ci, c'est la mort par l'épée. L'épée par le coup. Ouais, c'est celle-ci, flamme. Ouais, voilà, flamme. Essaye, voir prémonition. Je sais pas si c'est ici. Ah non, même pas. Ah non, non, c'est qu'une porte et pas une double porte. Ok. Et l'autre? Celle de droite? Poignardé. Ok. Ah bon, bah ça, c'est bon, on l'a évité donc. Et ça, celui-là, c'est quoi, je pense. Bah, c'est celui-là. Qui a un truc. C'est un truc en métal par terre. Ok, bon, je pense pas que c'est ça. Je pense pas que c'est ici. Ah, c'est super. Bah c'est une chambre à froid hein. Et après voilà ils font pas gaffe. Comme d'habitude ça se ferme, ils pourront pas réouvrir et on est resté coincé là. On est dans des matrioshkas. Quoi? C'est bizarre la transition. C'est des poupées russes. Ces poupées qui s'emboîtent là, les unes dans les autres. Oh là là, l'ambiance. J'ai pas besoin de ça. On est dans une cuisine, piégé dans un hôtel, coupé. Ils ont pas froid là. Même si on arrive à sortir de cette pièce. Comment on va sortir de l'hôtel? Je te le fais pas dire. Et comment on quitte l'île? On doit se concentrer sur une chose à la fois. Non, ouvre pas la porte, y'a des trucs derrière. D'accord. Ouais, je voulais pas ouvrir. Ah ouais, ouais, ouais. On va essayer de regarder là-bas. Ah, y'avait pas un truc qui... Ah, voilà. Ah. Nathalie Morello. Depuis d'une certaine Nathalie, son corps a été congelé. Waouh. Waouh. Wow. Est-ce que tu... Oh merde! Putain de chiotte! Oh, putain, mais c'est wesh, c'est dégueulasse! Elle était du dernier groupe à avoir visité l'hôtel. Non, c'est rien. Peut-être que... Merde! T'as sûrement raison. On se gèle. Oui, allez. Ouais, bon, je pense qu'on... Faut aller vers la porte à gauche. Ouais, voilà, ça. C'est... Charlie! J'ai peut-être trouvé une issue. Ah. Regarde. Ah, c'est une, oh, c'est une porte que simple. Elle sera sûrement moins c'est difficile une porte que passer. Simple. Recule. À mon avis, c'est ici où il y a peut-être... Ah. Vraiment ce que j'espérais. Ah. Oh non. Il a intérêt à pas perdre son briquet. Charlie ? C'était un piège. Ah, c'est encore à toi. Ah ouais. Je sais qu'il y avait quelqu'un d'autre. Il y avait bien quelqu'un d'autre.
bizarre, on n'entend pas. Il faut qu'ils entendent ça. C'est ferme. Non, mais je dis pas que c'est fermé à clé. Et voilà, c'était sûr. Ohé ! Vous êtes là ? Hé ! Charlie ? Marc ? Jamie ? What ? Il y a vraiment des choses très étranges dans cet hôtel, hein. Ouais. Ça va, ça va. Arrête de faire ta mauviette. What, mec, t'es le... Ton perso, il a le plus de... d'outils. Je suis équipé, hein. What? Non. Inhalateur. Oh non, ça va être la mécanique de l'inhalateur. Faut que tu utilises un bon escient. Trajectoire. Vas-y, fesse. Merde. Ah, ouais. Ouais, c'est juste pour dire que t'as utilisé un inhalateur, je pense. A utilisé son inhalateur pour se calmer avant d'entrer dans la pièce qui venait de se déverrouiller. Oui, bah, ouais. On allait clairement pas continuer comme ça, non. Oh. Quoi ? T'as plus d'inhalateur ? Ah oui. What ? Non, dis-moi pas que t'as utilisé les 3 coups directs. J'espère pas. Les trois... Ah, voilà, les trois utilisations, quoi. Ouh, il y a beaucoup de choses à inspecter ici. Quel genre de traitement ? Pomme de serpent, traitement à base... D'accord. Je sais pas à quoi ça sert. Ensuite... Y a-t-il autre chose ? Je crois pas qu'il y ait autre chose. D'ailleurs, je vais faire ça avant. Voilà. What? Oh. Wow, très réaliste en tout cas, vraiment, bravo, vous avez... Wow. On vous croirait presque que ce sont des humains. Oui, bah bien sûr, examiner, bah oui, bien sûr, et puis quand encore... Ouais, pour qu'on se prend un screamer... dans le vide. Et puis quand encore... Mais oui, je t'ai un lampe. Y a-t-il autre chose? Nope. Ok, ça. Oh! Who is the cutie in that pig? Lâche-moi, Jimmy. C'est qui la petite meuf sur la photo? C'est que... Attends, c'est... A retrouvé les messages de Jamie à son sujet. Attends, quoi? C'est qui la petite meuf sur la photo? C'est carrément ton type, c'est trop prévisible. Qui ça, Erin? Arrête-moi, j'aime pas les meufs qui ont du caractère. Oh, c'est-à-dire que quelqu'un a pris son téléphone. Attends, quoi? J'aime les meufs qui ont du caractère, pas les coincés. Ça peut être... Quoi? Attends, mais ça veut dire qu'elle est... Oh, oh mais c'est... Wesh! Ah, on fait des découvertes, là. C'est-à-dire que maintenant, elle a... C'est-à-dire que Jamie est... Elle est... Quoi? Elle est pas ouf, du coup. Mais c'est clair, hein. Bah, la prochaine fois... ouais. Ah, Monsieur Holmes, si, si. Entière aujourd'hui. Vous essayez de vous attirer mes bonnes grâces? C'est chouette. Je crois que je vais les mettre de côté. Quoi? Pas de question? Qu'est-ce qui vous arrive, Monday? Vous avez l'air différent. Oh! Je la vois, cette lueur dans vos yeux.
procureur essaie de me faire dire un chiffre. Vous le saviez? Bien sûr que oui. Les chiffres. Pour Holmes, c'était 27. Mais on sait que la réalité était plus proche de 200, n'est-ce pas? Vous imaginez ça? J'aimerais tellement avoir eu le temps de battre le record. Pour les demoiselles de l'agence immobilière, ils savent, bien sûr. Elles avaient des familles, ces jeunes filles. Mais concernant les chiffres que le procureur me demande, je pense qu'il a conscience qu'il existe certaines personnes marginales, du genre de celles qu'on évite de regarder quand on les croise dans la rue. Y a-t-il quelqu'un pour le remarquer lorsqu'elles disparaissent? Mon père m'avait toujours dit de laisser mon empreinte sur le monde. J'ai jamais compris ce qu'il voulait dire par là. Jusqu'à ce que je regarde la première fille saigner. J'appelle ça de l'art. C'est ce que j'apporte à mes semblables. Ce n'est pas un meurtre. C'est une réponse esthétique à ce que la société a fait de moi. Demandez aux gens de citer des tueurs en série. Ils donneront 5 à 10 noms avant d'être à court d'idées. Mais si vous leur demandez de citer les enquêteurs qui ont arrêté ces tueurs, vous n'obtiendrez pas la moindre réponse. Personne ne sait. Tout le monde s'en fiche. Personne ne réalise de films sur eux. Personne ne met leur visage sur des t-shirts. Ça n'intéresse personne. Ah, ok. Ah, j'ai laissé mon empreinte sur le monde. Et vous? Attends. Mec, il y a un truc faut que qu'on clarifie. Quand le mec il dit ça n'intéresse personne, c'est qui n'intéresse personne? Genre ceux qui arrêtent? Ce sont les personnes qui arrêtent les tueurs en série. Personne ne s'intéresse à eux parce que, tu vois, voilà quoi, on dit ok, des gens qui les ont arrêtés, on dit leur nom, mais ils sont pas connus. Alors que, tu vois, ceux qui ont marqué la société, ceux qui ont tué des gens, tu vois, en série, ouais. Eux, ils sont connus. Mais c'est quoi l'intention de dire ça? Bah, peut-être que lui, bah, déjà, ce qui est bizarre, c'est que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il aime bien les voir les enseigner. Et puis, oui, c'est ça, parce qu'il y a un truc que je me dis, peut-être... Pour marquer le truc, il s'est converti en tueur en série. Peut-être son métier, c'était, tu vois, d'arrêter les... Voilà. Et genre, au début, il pense qu'il allait avoir de la reconnaissance auprès des gens. Genre, en mode, ça allait... Voilà. Il allait avoir des noms dans les gens en disant, waouh, il a arrêté telle personne. Sauf que peut-être qu'il a rien eu. Et du coup, pour marquer... Pour laisser une marque, bah, du coup, bah, il a fait comme les tueurs en série, je pense. Après, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il fait ça juste pour être connu. Hein. Ah... Ah oui, bah du coup, pour avoir reconnaissance. Ouais. Pour avoir la reconnaissance, du coup. Erin a trouvé une lettre décrivant les problèmes de comportement d'Hector Mudday à l'école. Bon. Dans le pire des cas, si je vois que le texte est vraiment important, je pourrais toujours regarder. Normalement, j'ai tout exploré ici. Donc voilà, des révélations. Bah, est-ce que. Bah, là-bas, t'as pas regardé le mec. Les gens là. Ah, ça! Ah, t'as pas envie? Allez, si, on y va. Bien sûr que j'ai envie, regarde. Voilà. Le scream. C'est pas vrai! Imagine, tu fais ça, en fait, ça pouvait. Entraîner. Alors là, elle a intérêt à pas toucher. Imagine, il y a des capteurs. Non, mais elle va toucher. Je vais faire retour encore. Ouais. Moi, je vais éviter de toucher. Erin, t'es là? Oh, bonne idée. Trajectoire actualisée, attends. Ah. Hein? On a rien trouvé de suspect. Rien. Ah, ça veut dire que peut-être ça aurait fait quelque chose si on en touchait. Bon. On a bien fait de ne pas toucher. Jamie? Non, c'est un record. Erin, c'est toi?
m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Il est en danger, Erin. Comment tu... Écoute-moi bien et fais tout ce que je te dis. Non. Confusion. Jamais j'accuse en ce moment-là. Ouais, t'accuseras à la fin. Jimmy, c'est quoi ce délire? Où est-ce que t'es? Je te... Écoute-moi. Qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas? Vite, cache-toi, Erin. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi! Erin, vite! Fais-moi confiance! Ah, y'a plus de courant. Ok, attends, fais échappe. Avant. Là, faut réfléchir. Parce que là, tu vois, c'est un enregistrement. Comment Jamie peut-elle communiquer avec Erin? Je sais, franchement. Tu vois, genre, t'entends le micro ici, mais comment elle peut communiquer? Jamie, tu vois, elle est dans la chambre froide. Je pense que ça peut être des pré-enregistrements en mode... Oui, voilà, c'est peut-être des pré-enregistrements ou genre en mode... Je sais pas si ça existe vraiment à leur époque. Genre, ils recordent, tu vois, les voix et ils essaient de reconstruire la voix en faisant dire autre chose. Non, mais non. Je pense juste qu'elle sait qu'elle a affolé. Du coup, elle sait qu'elle va refuser certains trucs. Du coup, elle fait genre, en fait. Ah ouais, ou peut-être... Du fait que tu vois là le message qu'elle a vu, peut-être ça peut nous faire... Ah ouais, donc là, faut choisir. Soit on lui fait confiance, parce que même si elle nous accusait, peut-être c'est peut-être vrai ce qu'elle dit, ou peut-être on se dit, avec les accusations, ça serait... Voilà, elle peut peut-être mentir, du coup, on va pas se cacher dans le placard, du coup, on va rester sans... En fait, on a dû la croire, et du coup... Oui, c'est mais... ça, ah, ça va être chiant. Mais les accusations datent du passé, en fait. Ouais. Alors, moi, j'y suis caché. Allez. Vas-y, cache. Je m'en fous, on se cache. Je crois qu'on a... Ah, alors là, c'est là qu'on va voir si on a bien fait ou pas. Non. Je suis sûr on n'a pas fait le bon choix. Je suis sûr c'est un enregistrement. Fais gaffe, peut-être il y a un QTE à battement. Mais c'est la pire chose, les QTE. Comment j'aime pas. Oh. Surtout que... Non, attends. C'est caché dans un... Après avoir entendu les instructions de Jamie au microphone. Ou à mon avis, c'est un moyen de tester. Ok. C'est donc sur ça que on s'arrête aujourd'hui. Si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like. Et pourquoi pas vous abonner parce que vous voulez vous abonner ou... Voilà, vous abonner parce que vous voulez suivre les épisodes prochains. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus !